Bonjour à tous. Donc très bien. Donc nous allons aujourd'hui, bon, ça c'est sûr, aujourd'hui on va finir le cours. Donc on va finir la partie du cours qui nous reste. Donc finalement on a passé quelques temps avec les sommes en fait. On a passé trois séances pour finir les cartes de Colin. Et j'espère que vous avez apprécié. La nouveauté qu'apportent les cartes de Kohonen pour les réseaux de neurones artificiels par rapport aux neurones simples qu'on a vus, par rapport aux perceptrons multicouches et par rapport au réseau RBF qui ressemble plus ou moins à celui du perceptron multicouche, du moins dans sa philosophie de classification et d'approximation de fonctions. Maintenant, on a vu que les cartes de Kohonen avaient un tout autre rôle, le rôle de clustering. Le rôle de clustering, de réduction de données. Et on a vu que leur apprentissage était totalement différent, c'est-à-dire qu'ils utilisaient un tout autre type d'apprentissage qui se passe en deux phases, comme on l'a dit, et qui se base sur une phase de compétition, une phase de compétition toute simple, où il n'y a pas de gradient, où il n'y a pas de calcul de gradient ou de calcul mathématique ou de dérivés. Il est basé juste sur une comparaison de la distance euclidienne entre les entrées, je répète, entre les entrées et le vecteur référent qui est le vecteur poids. Voilà. Donc si on retourne ici. Donc, ça veut dire que la première phase de compétition, on va comparer les entrées ou l'entrée qui est présentée au réseau avec les poids des neurones, de chaque neurone de la couche topologique. Et on va calculer la distance, une distance bon, le plus commun est la distance euclidienne. Et on va classer cette distance de la plus petite distance à la plus grande distance pour tous les neurones de la couche topologique. Tous les neurones de la couche topologique, bien sûr, via leur poids, leur vecteur poids. Donc, on va prendre le neurone, le neurone qui a la plus petite distance entre ses poids et l'entrée qui est présentée, et ce neurone-là va être déclaré neurone vainqueur. Donc, si ce neurone vainqueur est identifié, on a fini la phase dite de compétition. Donc la première phase est finie. Il nous restera la deuxième phase où on va mettre à jour les poids de ce neurone vainqueur. Le neurone vainqueur, les poids sont mis à jour par la règle, en fait, c'est la règle du perceptron, toute simple, la règle du perceptron. N'oubliez pas que le neurone vainqueur ou le neurone de la couche topologique, ou tous les neurones de la couche topologique de la carte de Kohonen, ont une sortie tout ou rien. D'accord? Ils n'ont pas de... Généralement, du moins généralement, on n'utilise pas de fonction de sortie ou de fonction pour le neurone. C'est-à-dire la seule fonction qu'on utilise est la fonction tout ou rien. Ou le neurone est activé ou il ne l'est pas. Très bien. Donc une fois les mises à jour des poids par la règle du perceptron qui est donc mu ex, delta w égale mu ex, une fois qu'elle est faite pour le neurone gagnant, elle est aussi faite pour les neurones de tout le voisinage. Bien sûr, de tout le voisinage du neurone gagnant, si via la fonction de voisinage. Donc si la fonction de voisinage est une fonction bulle, ça veut dire qu'elle est 1 tout autour du voisinage, donc tous les neurones qui sont autour du neurone gagnant vont avoir leur poids mis à jour par la règle mu ex. D'accord? Mu e x. Très bien. Maintenant, si la fonction de voisinage n'est pas une fonction bulle, c'est une fonction gaussienne, ça va être, la mise à jour va être non seulement mu e x multiplié par la fonction de voisinage. D'accord? La fonction de voisinage, on n'oublie pas que c'est sur la couche topologique et non pas sur la couche des entrées. On oublie la couche des entrées. Une fois qu'on a le neurone de compétition, on n'agit que sur la couche topologique. Allez, on va voir ça après dans un exemple. Très bien. Donc, une fois qu'on a tout ça,
Une fois qu'on sait comment choisir une architecture, plutôt une fois qu'on a choisi une architecture, une fois qu'on sait comment faire l'apprentissage de la carte Kohn-Hein, là commencent à se poser les questions d'ordre pratique, si vous voulez. On avait vu ça avec le MLP dans le chapitre précédent, on a vu ça avec le RBF aussi, et on va voir ça avec les cartes de Kohn-Hein. Donc, comment choisir, d'accord, ou comment aborder tel ou tel problème avec une carte de Kohn-Hein. Et là, on va avoir donc le plus gros travail en fait des cartes de Kohn-Hein, puis un des plus gros travaux de l'IA connexionniste, si vous voulez, des réseaux de neurones artificiels concernant leur utilisation, c'est en fait d'essayer d'avoir les meilleurs paramètres ou le meilleur design de notre réseau pour pouvoir avoir un résultat qui veut dire quelque chose ou qui satisfasse la demande de notre client ou de notre problème. Et donc, les paramètres d'apprentissage, comme pour tous les autres réseaux de neurones, les cartes de Kohn-Hein ont un certain nombre de paramètres qui doivent être mises ou qui doivent être réglés avant de pouvoir faire tourner la carte ou faire l'apprentissage de la carte pour avoir, voilà, pour garantir des résultats qui sont à la hauteur de notre demande. Très bien. Donc, quels sont ces paramètres? Donc, le premier paramètre est un paramètre topologique, c'est la taille de la carte, c'est-à-dire le nombre d'unités ou le nombre de neurones qui forment la carte de Kohn-Hein. Donc, une fois qu'on a le nombre, qui est très important, qui est le paramètre peut-être topologique le plus important, d'autres paramètres topologiques rentrent en compte et qui ne sont pas aussi importants, mais qui ont leur importance. Bon, la forme de la carte, c'est-à-dire hexagonale, rectangulaire, etc. La fonction de voisinage, est-ce qu'on prend une fonction bulle, est-ce qu'on prend une fonction gaussienne? Le rayon de voisinage, d'accord? Le rayon de voisinage, est-ce qu'on prend un rayon de voisinage égal à 1, c'est-à-dire un neurone autour du neurone gagnant, 2 neurones, 3 neurones, 4 neurones, 5 neurones? Bien sûr, généralement, on ne va pas au-delà de 4 ou 5, un rayon de voisinage de 4 ou 5. Le taux et la longueur d'apprentissage, c'est-à-dire le nombre d'époques d'apprentissage, quand est-ce qu'on va arrêter notre apprentissage. Donc voilà, si vous voulez, 6 ou 7 paramètres, d'accord, les plus importants qu'on va devoir choisir ou qu'on va devoir régler pour pouvoir faire notre apprentissage. Donc, quand vous utilisez des librairies, que ce soit dans Python, que ce soit dans MATLAB, donc l'exemple qui est donné là, c'est dans MATLAB, en utilisant la SUM Toolbox de MATLAB, parce qu'on a travaillé avec, sur les travaux de Rezi, qui travaillait sur la pollution atmosphérique, et on a utilisé, comme je vous ai dit la dernière fois, les cartes de Kohn-Hein pour la classification des types de jours, atmosphériques de la région, et aussi pour l'identification des types de jours de la demande électrique dans le projet avec Sonelgaz, dans différents projets avec Sonelgaz, et qui rentrait dans le cadre de plusieurs travaux de master et de thèse, dans celle de Monsieur Blabas et plusieurs autres doctorants, Farfar, Laib, Nazar. Donc voilà. Malheureusement, Farfar et Nazar nous ont quittés pour d'autres cieux. L'un est en Allemagne, l'autre est aux États-Unis, et ils travaillent dans le domaine et continuent à travailler dans le même domaine de l'IA et du machine learning. Donc c'est un domaine, donc ça c'est à côté, c'est un domaine porteur. Donc, malheureusement pour nous, pour l'Algérie, ces jeunes sont partis, mais bon, pour eux, peut-être qu'ils sont bien, qu'ils s'épanouissent. Très bien. Donc on revient aux paramètres à régler.
Donc, on va commencer par le nombre d'unités de la carte de neurones, de la carte de QLM. Donc, comme pour le MLB, comme pour le RBF, les paramètres qu'on va choisir dépendent du problème, son problème dépendant. C'est la même chose pour la carte de Kohonen. Donc, la topologie de la carte de Kohonen, elle va être liée à quoi? N'oublions pas que la carte de Kohonen, on va faire du clustering, ça veut dire que chaque partie de la carte de Kohonen va être chaque partie de la carte de Kohonen va être liée, si vous voulez, à... Voilà, je reviens sur cette figure-là qui est intéressante. Donc, chaque partie de la carte de Kohonen va être liée à des données similaires dans l'espace d'entrée-sortie. D'accord ? Donc, si on a un espace d'entrée plutôt, un espace d'entrée avec nos données, eh ben, des données similaires, Y et X ici, si elles sont similaires, elles vont exciter, ces données-là vont exciter, après apprentissage bien sûr, les mêmes ou les neurones adjacents de la carte topologique. D'accord ? Donc il y a une correspondance, comme on l'a dit au début, entre la carte topologique et l'espace d'entrée. Donc il y a une forte corrélation, si vous voulez, entre la taille de la carte de Kohonen et de l'espace d'entrée, ou du nombre d'échantillons qu'on a. Très bien. Donc, vous vous imaginez que si on a une carte qui est trop petite, hein, les clusters ou les classes définies ne vont pas être très distinctes. Elles vont se chevaucher parce que la carte ne va pas avoir beaucoup de place pour pouvoir faire son clustering et, si vous voulez, définir des clusters qui sont distincts. Ça. Maintenant, si la carte est trop grande, ça pose problème parce que on va avoir des problèmes de lenteur d'apprentissage, on peut avoir peut-être une classe qui est une classe dans notre espace d'entrée, mais dans la carte de Kohonen qui va être vue comme deux classes. D'accord ? Mais en fait, c'est une seule classe. Donc voilà, donc la dimension de la carte, ou le nombre de neurones, est fortement liée au nombre d'échantillons de notre espace d'entrée. Donc, il y a une heuristique, mais bien sûr, c'est juste une heuristique. Hein. Ça vous donne juste une idée sur le nombre de neurones. Et puis après, vous pouvez, après par apprentissage, par essai, voir si ce nombre est OK, c'est-à-dire vous pouvez aller un peu plus ou un peu moins. Donc, le nombre des unités neurones de la carte peut être défini approximativement, bien sûr, par l'heuristique. M, qui est le nombre de neurones, égale 5, racine carrée de N, racine nème de N. N, c'est le nombre d'échantillons. D'accord ? Donc, vous voyez ici que c'est une correspondance exponentielle entre le nombre de données, c'est une réduction exponentielle, si vous voulez, entre le nombre de données qu'on a et le nombre de neurones dans la carte. Parce que vous pouvez avoir des millions et des millions de données ou des centaines de milliers de données. Très bien. La forme par défaut des cartes est une feuille rectangulaire avec un treillis hexagonal. Donc, la forme de la carte, c'est généralement une carte à deux dimensions avec un treillis hexagonal. Mais là, vous pouvez aller, bien sûr, sur des cartes à trois dimensions qui vont être des volumes et des treillis qui sont carrés ou autres. Mais bon, le plus commun, ou les cartes de Kohonen les plus communes utilisées sont des cartes rectangulaire avec un treillis hexagonal. Le rapport longueur-voisinage correspondant au rapport entre deux plus grandes valeurs propres de la matrice de covariance de données. Très bien. Le rapport longueur-voisinage, d'accord, donc là c'est le voisinage, d'accord, correspond en rapport entre deux grandes valeurs propres de la matrice de covariance de données. Donc là aussi on peut avoir une idée sur la longueur du voisinage, d'accord, en comparant, si vous voulez, les deux plus grandes valeurs propres de la matrice de covariance des données. Là aussi, on peut avoir une idée. Mais bon, pour le voisinage, le rayon de voisinage, c'est entre 2, 3, 4, mais on n'utilise pas un rayon de voisinage qui est encore plus grand.
La fonction de voisinage par défaut est la gaussienne. Pourquoi? Parce qu'elle va favoriser, si vous voulez, le plus le neurone gagnant, qui va toujours donner sa sortie qui est égale à 1, et elle va atténuer les neurones de voisinage jusqu'à 0. Donc, c'est une fonction qu'on connaît parce qu'on l'a utilisée avec les réseaux de neurones RBF, mais ici, on va l'utiliser sur la couche topologique et elle est intéressante. Donc, la fonction de voisinage par défaut est la gaussienne, où la distance entre les nœuds C et I de la carte est RT et le rayon de voisinage autant T. Donc, voilà, c'est sur la carte de Kohnen, ce n'est plus sur les données, hein, c'est sur les neurones. Les neurones, donc, sont des emplacements sur la carte et notre gaussienne, en fait, les rayons et le centre, ça va être par rapport à la carte de Kohnen. Donc, le centre, ça va être 1, ça va être le neurone gagnant, d'accord, le centre de la gaussienne, et puis la base de la gaussienne, ça va être le rayon de voisinage partenaire. Le rayon d'apprentissage ou le taux d'apprentissage, aussi bien que le taux, sont des fonctions, oui, le rayon d'apprentissage, bien sûr, comme on a dit ici, un apprentissage adaptatif, sont des fonctions monotoniquement décroissantes dans le temps. Donc, on a vu que c'était des fonctions monotoniquement décroissantes, qu'on pouvait les faire. Par exemple, le taux d'apprentissage mu, on va avoir mu de k égale mu final fois mu initial sur, plutôt, égale mu initial fois mu final divisé par mu initial, le tout puissance k sur k max. Voilà, donc c'est une fonction décroissante. Donc, le rayon initial dépend de la taille de la carte, mais le rayon final et le taux d'apprentissage commence à partir de 0,5 et finit presque à 0 d'apprentissage. Très bien. Donc, généralement, le rayon d'apprentissage, on va le commencer à 0,5 et puis on va le finir à presque 0, c'est-à-dire 0,0010⁴, 10⁵. La longueur d'apprentissage est mesurée en époque. Donc, une époque correspond à un passage, comme on le sait, comme pour le MLP, comme pour le RBF, un passage par les données, donc toutes les données, on va passer toutes les données sur la carte de Kohnen, faire la compétition, faire l'adaptation pour chaque échantillon et pour chaque neurone de la carte. D'accord ? Ça veut dire que le calcul de distance va être calculé pour chaque échantillon, pour tous les neurones de la carte, le neurone gagnant, on met à jour le neurone gagnant et son voisinage, on a fait un échantillon, on va répéter tout cela pour tous les échantillons de la base de données, d'accord? Et là, on aura fait une époque. Donc ça, c'est le même principe que le MLP. Donc, par défaut, l'apprentissage est divisé en deux phases, comme on le sait. Donc, la première phase est exécutée en utilisant un plus grand rayon de voisinage et taux d'apprentissage. Et la deuxième phase, Bon, oui. Si on utilise un taux décroissant, donc on n'a pas besoin de découper les phases entre une phase qui est avec un taux plus grand et un taux plus petit, puisque au fur et à mesure des itérations, comme on a vu ici, d'accord, au fur et à mesure des itérations, k sur k max, ben c'est le rapport. La puissance K sur K max qui va définir, si vous voulez, le rayon de voisinage, qui va définir aussi le taux d'apprentissage, comme on le voit dans l'équation 5.5. Et donc, on n'a pas à diviser l'apprentissage en deux. On fait notre apprentissage et puis ces équations 5.5 et 5.8 qui vont faire l'adaptation de notre rayon d'apprentissage et de notre taux d'apprentissage. Très bien. Donc, on arrive ici à une caractéristique très importante et très intéressante des cartes de Kohnen qui sont la visualisation. Très bien. Donc, les cartes de Kohnen sont très intéressantes et ont remplacé, si vous voulez, d'autres algorithmes de clustering tels que le K-min, etc., dû à leur propriété de visualisation. D'accord ? C'est pour ça qu'on utilise des cartes de Kohnen à 2D et 3D+. Généralement, on les utilise très rarement puisque la propriété de visualisation n'existe plus.
Et donc, les cartes, et on utilise souvent la carte à 2D parce que la visualisation en 2D, c'est-à-dire on peut voir les clusters ou on peut voir où les cartes, la carte a été, si vous voulez, excitée. Donc ici, on va voir un petit exemple justement pour cette visualisation et on va voir comment le clustering est fait. Très bien. Donc, plusieurs méthodes de visualisation du réseau de Coalesce sont présentées. Donc, on peut avoir plusieurs méthodes de visualisation. On va le coder en niveau de gris, on va le coder en couleur, on va le coder en 3D avec, si vous voulez, des sommets et des pics, etc. Donc, on peut avoir plusieurs manières de, si vous voulez, de visualiser nos résultats sur la carte de Coalesce. Donc, ici, on va voir quelques-unes. Ou on va voir celles qui sont utilisées dans la Swarm Toolbox. Donc, le neurone gagnant pour chaque échantillon de la base sélectionnée sur la carte, et il est par la suite marqué par l'étiquette correspondante. Ça veut dire on va marquer le neurone et on va avoir un code couleur. Très bien. Donc, la matrice des distances unités, donc la U-matrice, qui était introduite par Hulch et Siemon en 1990, montre les distances entre les unités voisines et ainsi visualise la structure des clusters de la carte. Ça veut dire qu'elle va montrer les distances entre deux unités de la carte, d'accord ? Et là, on va voir les différences, c'est-à-dire si la distance est pareille ou est moindre, donc on va avoir la même couleur, et si la distance est différente, eh ben, on va avoir des couleurs différentes. Et là, on va commencer à séparer, si vous voulez, les neurones de la carte. Donc, notons que la matrice contient beaucoup plus d'hexagones que la matrice des composants. Ça, c'est une caractéristique technique, ça ne nous intéresse pas beaucoup, mais bon. Très bien. Donc, c'est parce que les distances entre les unités de la carte sont montrées et non pas seulement évaluées dans les unités de la carte. Donc, comme je vous ai dit, on va montrer les distances, et pas seulement les unités. Les valeurs élevées sur la matrice signifient une grande mesure de distance entre les unités voisines de la carte et indiquent ainsi les frontières du cluster. Donc, si vous voulez, c'est comme ce que je venais de dire, la distance entre deux neurones sont montrées, deux neurones du cluster, et là, on peut voir les, si vous voulez, les frontières entre les clusters. Donc, les clusters sont des régions en général uniformes. Donc, les valeurs qui sont uniformes, c'est-à-dire les distances qui sont plus petites entre les neurones, ils vont avoir des couleurs qui sont similaires et donc uniformes, et donc former des clusters uniformes. Et là, on peut se référer, donc on peut faire un code couleur ou un code de niveau de gris pour voir ceci. Donc là, c'est un exemple de visualisation de la carte de somme en utilisant l'U-matrice pour un exemple de clustering qu'on va expliquer. Donc, donc ici, on a utilisé, si vous voulez, dans cet exemple-là, la base de données Iris, d'accord, montrée par la figure 5.7. Donc voilà la base de données Iris et son U-matrice, c'est-à-dire l'U-matrice initiale de la carte de Coalesce qui est aléatoire. Et puis on va essayer de classifier la base de données Iris par une carte de Coalesce, ici qui est une carte de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, plutôt 7, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est une carte de Coalesce de 6 par 11. Donc, la carte de distribution de map ou composants plane issue de la carte de Coalesce. Donc, sa visualisation peut être considérée comme une version découpée en tranches de la carte, ça, où chaque plan, si vous voulez, montre la distribution du vecteur poids d'un composant. Donc, en utilisant ces distributions différentes, dépendances entre les paramètres de la base de données peuvent être étudiées. Donc, une fois qu'on a la carte de Coalesce et qu'on a des clusters qui sont définis, on peut, par cette carte de Coalesce, revenir à la base de données qui est la base de données Iris et faire des correspondances. C'est-à-dire que on va dire que une donnée de la carte Iris qui se trouve ici, d'accord, eh ben ça va
ça va être, c'est-à-dire une pétale, ou bien une sépale, une pétale W, etc. Parce qu'elle va appartenir à ce cluster-là. Voilà. On n'a plus besoin d'étudier, si vous voulez, de voir les caractéristiques de notre vecteur de données, et c'est ça le but de la carte Cohen, mais on va voir son incidence sur la carte pour trouver sa classe. Donc c'est ça, c'est ça ce qui veut être dit ici, par les différentes dépendances entre les paramètres de la base de données peuvent être alors étudiées. Donc par exemple, Triba et Al en 89 ont utilisé ce genre de visualisation pour étudier les variations des paramètres de conception d'un circuit VLSI. Donc on peut utiliser les cartes Cohen dans plusieurs applications. Donc, on peut les utiliser de partout en fait. Pour tout ce qui est problème de clustering, ça marche. Donc les cartes de distribution de la base Iris donc, sont montrées dans la figure 5.7 ici, où les noms des composants sont inclus comme titre. Les figures secondaires, des figures secondaires, voilà, les titres des figures secondaires. Voilà, ici, donc, c'est une matrice. Là, c'est les sépales, la classification des sépales, la classification des sépales W, pétale L, pétale W. D'accord ? Ça, c'est les classes, si vous voulez, obtenues par la classification. Notons également que les valeurs de variables ont été dénormalisées à la gamme originale. Bien sûr, il faut normaliser et dénormaliser toujours nos données, quel que soit le problème de réseau de neurones qu'on aborde. Donc, les cartes de distribution pétale L, pétale W, sépale L et sépale W montrent quel genre de valeurs ont des vecteurs prototypes des unités de la carte. Donc, les valeurs sont indiquées avec les couleurs et la barre de couleurs mu A à la droite montre ce que signifient ces couleurs. Donc, voilà. Donc, on peut faire, ceci est un exemple, ceci était juste un exemple de visualisation de résultats obtenus par une carte de Cohen ou par un apprentissage de cartes de Cohen. Très bien. Donc généralement, si vous voulez, les approches d'apprentissage, vous les avez dans les librairies, dans les toolbox. Donc, vous faites un plot de la carte, si vous voulez, de la carte de Cohen ou de la U-matrice avant apprentissage. Ça va être donc des points aléatoires. Et puis, vous faites ça à la fin de l'apprentissage en montrant les distances. Calculant, c'est-à-dire les distances entre les poids des neurones de la carte, et là vous allez définir, bien sûr, les poids des neurones après apprentissage, donc des poids de neurones qui ont été modifiés par notre base de données, et là, quand vous allez plotter ou vous allez afficher la carte avec les distances entre les différents neurones, les clusters, c'est-à-dire vont apparaître. Voilà. Donc, voilà. Avant, si vous voulez, une carte de Cohen avant apprentissage, donc ça va être quasiment aléatoire. Et puis, à la fin de l'apprentissage, vous allez avoir quelque chose comme ça, ou quelque chose comme ça, ou quelque chose comme ça. Donc, si on va parler CEPAD, donc là, on va identifier, si vous voulez, visuellement les clusters, et là, on peut dire, on va avoir 1, 2, 3 et 4 clusters, à peu près. Donc, pour sépale L, là, on voit 3 à 4 clusters. D'accord ? Pareil pour les autres. Si on voit pétale W, par exemple, ici, on voit distinct le cluster en noir, en bas. Et puis, le cluster du milieu, on peut le définir en le diviser entre deux clusters. Et on a le cluster du haut, qui est ici. Donc, bien sûr, après, vous allez avoir des correspondances avec la base de données. Et là, vous pouvez identifier, dire, ça, ce sont tel type de fleurs ou d'images, etc. Pareil pour les cartes, pour les travaux qu'on a eu à faire avec l'identification des types de journées. C'est une carte de Cohen pour les types de journées qui est données à la fin par ça, peuvent nous dire, par exemple, après on va faire une correspondance, on va dire ce cluster-là en noir, c'est par exemple les jours du week-end, ça
ce sont les journées, le gros cluster ici qu'on voit, ce sont les journées de travail. Et puis, le cluster, par exemple, en blanc, vont être les journées spéciales, le Ramadan ou d'autres journées. Bien que, bon, ça c'est pour l'anecdote. Quand on a fait notre travail avec les cartes de Conan et puis qu'on a essayé de classifier ou de clusteriser les types de jours de la charge électrique, c'est-à-dire de la consommation électrique, et ben le Ramadan, les journées de Ramadan nous ont été données ou classées par la carte de Conan comme des jours fériés. Donc voilà. Donc tout le Ramadan, c'est équivalent à un vendredi en fait, un vendredi ou un samedi. Donc voilà. C'était pas, il n'avait pas une courbe très très différente de celle d'un week-end. Très bien. Donc, avec ceci, nous avons fini le cours sur les cartes de Conan, enfin le chapitre sur les cartes de Conan et le cours sur les réseaux de neurones. Là, vous avez quelques références, si vous voulez, de la lecture ou vous voulez vous plus apprendre, ou si vous comptez utiliser les cartes de Conan dans vos projets futurs ou dans votre projet de fin d'études. Donc, on va essayer juste, puisqu'on a fini un petit peu plus tôt que prévu, enfin, cette partie, on va essayer de faire un petit exemple. Donc là, je vous ai trouvé, je vais vous le mettre sur la plateforme, hein. C'est quelques exercices sur les cartes de Conan. Donc, c'est des exercices sur les réseaux de neurones compétitifs. On ne va pas tout faire, d'accord? On ne va pas tout faire. Donc, je vous laisse le choix de faire quelques-uns. Et on va essayer de faire un exercice. Voilà, on va faire celui-là parce qu'il est plus. C'est l'exercice le plus graphique. Voilà. Le plus graphique. Très bien. Donc voilà, on va essayer d'appliquer l'apprentissage, si vous voulez, hein, de faire un exercice pour l'apprentissage de la carte de Conan, d'une carte de Conan. Et que ce soit une carte à 2D ou à 1D ou à 3D, le principe est le même. Très bien. Donc, on va se focaliser ici, juste pour l'exemple, sur une carte de Conan linéaire, c'est-à-dire une carte de dimension 1. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une carte qui est composée de 1, 2, 3, 4, 5 neurones. D'accord. 5 neurones. Très bien. Bien sûr, donc on va avoir chaque neurone qui va donner sa sortie. Et nous avons une base de données, hein, une base de données avec des échantillons ou des éléments ou des éléments qui ont une représentation d'ordre 2. Donc déjà, il faut faire la différence. La carte topologique, elle est de dimension 5 par 1, ou 1 par 5, et la dimension des données de la base de données est de dimension 2. Très bien. Donc une question, quelle est la dimension du vecteur poids de chaque neurone? Allez-y, pour pouvoir calculer une distance euclidienne, évidemment, le vecteur poids de chaque neurone est de dimension 2. Très bien. Donc imaginons qu'on ait donc deux entrées, 5 neurones, plutôt une entrée contenant deux valeurs. Voilà, une entrée de dimension 2, 5 neurones en sortie dans la couche topologique. Et pour chaque neurone, on va avoir un vecteur poids qui est d'arité ou de dimension 2. Donc pour le premier neurone, donc le neurone 1, C1, qu'on va nommer C1, les poids qui lui sont attribués sont 0,3 pour X1, 0,7 pour X2, le neurone 2, 0,6 pour X1, 0,9 pour X2, le neurone 3, 0,1 pour X1, 0,5 pour X2, le neurone 4, 0,4 pour X1 et 0,3 pour X2,
et le neurone 5, 0,8 pour X1 et 0,2 pour X2. Ça, ce sont les valeurs, si vous voulez, aléatoires ou initiales des poids de la carte coronaire, qui est dans ce cas-là une carte de dimension. Très bien. Donc, CM est mesuré par la distance euclidienne au carré. D'accord. Donc, maintenant, la première phase. Bon, on va lire d'abord l'énoncé de l'exercice. Donc, la similitude entre la forme x égale x1, x2 et le vecteur de poids du neurone CN est mesurée, donc la similitude est mesurée par la distance euclidienne au carré. Donc, ici, l'exercice vous force à utiliser la distance euclidienne au carré. Le neurone gagnant sera donc celui dont la distance euclidienne au carré avec les poids d'entrée sera la plus faible. On est d'accord. Donc, les paramètres du réseau sont quoi? Les paramètres du réseau, on va avoir donc X, l'entrée, notre entrée qui est donnée, c'est 0, 5, 0, 2. Donc ça, c'est notre entrée sur laquelle on va travailler ou sur laquelle on va appliquer les deux phases d'apprentissage. On a nu égale 0, 2 ou mu égale 0, 2, le pas d'apprentissage. Et on a la distance euclidienne qui est donnée par dm au carré égale wm1, ça veut dire, si on prend par exemple le neurone 1, c'est 0,3, c'est-à-dire le poids W1, moins X1, qui est 0,5, le tout au carré, bien sûr, pour enlever tout ce qui est négatif, plus W2, qui est 0,7, moins X2 au carré. Voilà. Ça, c'est la distance. Donc, on pourrait faire une racine, mais juste comme vous voulez, c'est pareil. Donc, déterminer le neurone, la première question est déterminer le neurone CM étoile, c'est-à-dire le neurone gagnant, dont le vecteur poids WM étoile est le plus près du vecteur d'entrée X égale 0,5, 0,2. Très bien. Donc, que va-t-on faire ici? Que va-t-on faire? Donc, On va calculer. On va calculer la distance, on va calculer D1 au carré, D2 au carré, D3 au carré, D4 au carré et D5 au carré. Et on va choisir la plus petite distance comme étant le neurone gagnant. Très bien. Très bien. Donc, on va essayer de faire. Donc, on va calculer. On va faire. Alors, D1. Égale quoi? D1 égale, d'accord? Et on va calculer donc W. On va revenir. Donc, D1 égale quoi? Égale 0,3 moins X1, moins 0,5 au carré, plus 0,7 moins 0,2 au carré. Donc 0,3 moins 0,5, qu'est-ce que ça nous donne? On va le faire. Donc 0,3 donc moins 0,5, le tout au carré. Ici, moins plus 0,7 moins, donc je vais le faire cette fois-ci, 0,2, c'est ça, au carré. Est-ce que c'est ça? ?7 moins 0,2, c'est ça, donc 0,3 moins 0,5. Le tout au carré. Donc je reviens. Donc, au carré, et au carré. Très bien. Ceci va nous donner égal quoi? Donc, 0,3 moins 0,5, ça veut dire, ça va être donc 0,2 au carré, plus 0,5 au carré. Et vous faites votre calcul. Très bien. Donc, ceci va être égal à quoi?
Donc 0,2 au carré, c'est 0,04. Et 0,5 au carré, c'est 0,25. Donc ça va nous donner 0,29. Et on y va. Alors, D2, vous excusez l'écriture, parce que je n'arrive pas à écrire avec la... C'est difficile d'écrire avec le... Très bien. Donc ça va être quoi? Ça va être 0,6 moins 0,5. D'accord, 0,6 moins 0,5 au carré et 0,9 moins 0,2. Donc 0,6 moins 0,5. 0,6 moins 0,5, c'est-à-dire 0,1 au carré plus 0,9 moins 0,2, 0,7 au carré. Et là, on va avoir donc 0,49, 0,0, non, je crois que j'ai fait une erreur là. Bref, attendez. Donc là, c'est 0,004, et là, c'est, c'est ça. Donc très bien, 0,7. Donc 0,1, c'est 0,01 au carré, et 0,7, c'est donc 0,49. Donc ça va me donner donc 0,5. D3 égal. Donc l'exercice est ensemble. Donc vous allez voir exactement quels sont les. En fait, on va chercher les neurones les plus proches du vecteur de référence. Donc si on voit directement, ça c'est un peu loin. 0,1, 0,5, donc c'est un peu loin. Donc les neurones le plus proche, en fait, ça va être le neurone 4. 0,4 moins 0,5, c'est 0,1. Et 0,3 moins 0,1, c'est 0,2. Donc si on va avoir 0,02. Comme neurone gagnant. Donc en fait, la distance D4, c'est la distance la plus petite qu'on va voir. D4, ça va être 0,1 au carré plus 0,1 au carré. Et ça va être donc 0,02. Et donc en fait, plutôt c'est le neurone 4. Hein. Voilà. Donc, ceci est le neurone gagnant. Neurone gagnant. Et voilà. C'est le neurone gagnant. Très bien. Donc, le neurone gagne est le neurone gagnant. Et là, on a fini notre phase de compétition. Donc, pour répondre à la question, une, détermine le neurone CM dans le vecteur de... C'est le neurone 4. Et là, on peut le faire bien sûr sans calcul. Si vous voyez quel est le vecteur qui est le plus proche de notre vecteur d'entrée, ça va être le C4. Bien sûr, ici, c'est facile. Pourquoi c'est facile? Parce que... l'ordre ou la dimension du problème est petite, on a la dimension 2, mais vous imaginez, si on a une entrée de dimension 40 et puis une carte de Cohen qui est plus importante, donc notre poids et notre matrice ou là, notre vecteur référent vont être plus importants et donc impossible à distinguer ou là à voir, sans apprentissage. Voilà, sans calcul des distances. Très bien. Donc maintenant, calculer le nouveau vecteur de poids Wm en utilisant une constante d'apprentissage n égale 0,2. Très bien. Donc maintenant, en B, on va passer à la phase d'adaptation. Non, très bien. Donc ça, c'est, si vous voulez, phase de compétition. Très bien. Et là, on va passer à la phase d'adaptation.
d'adaptation. Très bien. Donc, la phase d'adaptation, pour le neurone T4, il va être quoi? Donc, on va voir delta W égale mu E X. Et là, le E, d'accord, le E, on va le garder, on va le garder. Ça ne va pas être au carré. On va garder, si vous voulez, on ne va pas l'élever au carré pour pouvoir garder la direction, hein, la direction de la recherche. Parce que si on enlève le carré, la direction de la recherche va être affectée. Donc, mu EX, donc on a 0,2. D'accord ? Multiplié par E, qui est quoi ? Donc, l'erreur, elle va être quoi ? Donc, je l'ouvre, l'erreur, elle va être 0, donc, attendez que je revienne au problème par l'erreur. Donc, pour le neurone T4, l'erreur, elle va être quoi ? Elle va être 0,1, d'accord ? Plus 0,1, ça veut dire que ça va être 0,2. Donc, 0,2. Fois quoi? Fois x. X qui sont donc 0,5 et 0,2. Très bien. Donc, ceci va nous donner delta W égale 0,2, 0,2, 0,04. Donc, 0,04, ça va nous faire 0,54 et 0,24. Ah, pardon, c'est une multiplication, ce n'est pas une addition. Pardon. L'addition viendra après, parce que je suis dans le cas. Je suis dans le cas. Donc, 0,2 fois 0,2, 0,04. 0,04 fois 5. Donc, ça fera 20 et ça fera 0,02. Et ici, ça fera donc 0,08. Très bien. Donc, W1 égale W0 plus delta W égale W0 étant quoi? Étant donc, je reviens, 0,4, 0,3 plus delta W qui est 0,02. Et 0,08. Et là, on va obtenir un nouveau vecteur poids de 0,42 et 0,30. Non. Désolé, on a fait une erreur ici. On a fait une erreur ici. Et bien sûr, non, je refais. Non, c'est bien sûr. Donc, fois. Non, c'était bon. C'était bon. Ouais. C'était bon. Ouais. Oui, non, c'était bon. C'était bon. Donc, je continue. Donc, c'est 0,042 et 0,38. Plutôt 0,42, 0,38. Très bien. Pardon, je refais.
aussi. Non, non, c'était bon, on était bon. Voilà. Et donc là, très bien. Donc là, on a mis à jour le neurone gagnant. Et si vous allez voir ici, donc 0,4 va être 0,42, donc il va se rapprocher de 0,5. Et 0,3, ça va être donc 0,38, 18. Donc on va... attendez, on va voir. Donc on va mettre à jour, voilà, on a mis à jour les poids de ce neurone 4. Et donc, ce sera toujours, si on fait une deuxième, si on présente au réseau de neurones un vecteur qui est similaire à celui-là, ce sera toujours le neurone C4, d'accord, qui va être le neurone gagnant. Ce ne sera pas C5, C3, C2 ou C1. D'accord, parce qu'il va être adapté pour être encore plus proche, etc. Et ceci, ça va être à chaque fois. Donc, la question c'est maintenant... si les neurones voisins, CM-1 et CM étoile plus 1, peuvent aussi participer à l'apprentissage. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, imaginons qu'on ait un rayon de voisinage qui est égal à 1. Donc en fait, on nous dit, choisissez un rayon de voisinage qui est égal à 1. D'accord? Si le rayon de voisinage est égal à 1, comment va se passer la phase d'adaptation? Si le rayon de voisinage est égal à 1, alors on va mettre aussi à jour les poids du neurone C3 et du neurone C5. D'accord ? On ne touchera pas les neurones C2 et le neurone C1, mais le neurone C3 et le neurone C5 vont avoir des poids qui vont être mis à jour et qui vont, bien sûr, se rapprocher du vecteur X1. Et on les met à jour comment ? On les met à jour par la même approche, c'est-à-dire en appliquant delta W égale mu EX, mais W pour le neurone C3 et le neurone C5. Très bien. Maintenant, si la fonction bulle est utilisée, on va appliquer exactement mu EX. D'accord. Donc, on va rajouter, si vous voulez, mu et E, l'erreur, mais ça, cette fois-ci, on va calculer l'erreur de C3 et l'erreur de C5, et on va multiplier ça par le X, par notre X, et puis on va le rajouter au vecteur de poids de C3 et C4. Dans le cas d'une fonction de voisinage qui est bulle, ça veut dire qu'on va affecter tous les neurones du voisinage de la même manière. Maintenant, si la fonction de voisinage n'est pas une fonction bulle, est une fonction gaussienne, eh ben, on va la rajouter ici. Mu E H X. Et ça, ça va être notre fonction. Donc voilà l'exercice. Juste pour vous expliquer les deux phases de compétition et d'adaptation pour la carte de Cohen. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette fois-ci. Donc je pense que on a fini le cours. On va avoir encore une ou deux séances. Donc, une séance où on va faire des exercices, où on va reprendre les exercices, la série de TD que je vous ai donné en début de semestre. Donc, on va revoir, on va faire quelques exercices. On va essayer de on va pas tout faire. Donc, si vous avez des questions, on peut faire une séance de questions-réponses. On va faire les exercices les plus pertinents, les plus significatifs, c'est-à-dire les plus représentatifs pour pouvoir bien comprendre l'apprentissage par rétropropagation. On peut aussi faire un autre exercice sur les cartes de Cohen et les RBF si on a le temps. Il y aura une autre séance où je vous expliquerai le TP, c'est-à-dire je vous donnerai
un exemple en Python sur l'apprentissage par rétropropagation du gradient et comment faire l'apprentissage d'un réseau de neurones perceptrons multicouches. Et je vous donnerai donc un travail à faire dans le cadre de votre TP. Donc, très bien. Je vais vous mettre cette série d'exercices sur la plateforme. Et bien sûr, vous aurez ce cours-là sur votre plateforme YouTube du master site et du département. Très bien. Donc, au plaisir de vous revoir pour la prochaine séance.